Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 14 mai, la Sainte Église célèbre Saint Matthias, apôtre. Écoutons la vie de Saint Matthias, une vie d'apostolat au service de l'Évangile de Dieu. On ne peut guère douter que Saint Matthias n'ait été un des 72 disciples de Jésus-Christ. Du moins est-il certain qu'il s'attacha de bonnes heures à la personne du Sauveur et qu'il ne s'en sépara point depuis son baptême jusqu'à son ascension. Les fidèles étant assemblés pour attendre la descente du Saint-Esprit, Saint Pierre leur dit que, pour accomplir l'Écriture, il fallait choisir un 12e apôtre à la place de Judas. Matthias et Joseph, appelés Barsabas, que sa piété extraordinaire avait fait aussi surnommer le Juste, furent jugés dignes de cette éminente dignité. On se mit aussitôt en prière afin de connaître la volonté du ciel, après quoi on procéda à l'élection par la voie du sort. Matthias ayant été désigné, on ne douta plus que Dieu ne l'eût choisi pour remplir la place vacante par la mort du traître Judas. Nous n'avons rien de certain sur les actions de Saint Matthias. On sait seulement qu'après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, il alla prêcher l'évangile de Jésus-Christ et qu'il consacra le reste de sa vie aux travaux de l'apostolat. Clément d'Alexandrie rapporte que, dans ses instructions, il insistait principalement sur la nécessité de mortifier la chair en réprimant les désirs de la sensualité. Leçon importante qu'il tenait de Jésus-Christ et qu'il mettait lui-même en pratique. Les Grecs prétendent, d'après une ancienne tradition exprimée dans leur Ménologe, que Saint Matthias prêcha la foi vers la Cappadoce et les côtes de la mer Caspienne. Il ajoute qu'il fut martyrisé dans la Clochilde, à laquelle il donne le nom d'Éthiopie. Les Latins célèbrent sa fête le 24 février. On garde une partie de ses reliques à l'abbaye de Saint Matthias de Trèves et à Sainte Marie Majeure de Rome. Mais les bollantistes disent que les reliques de Sainte Marie Majeure, qui portent le nom de Saint Matthias, pourraient ne point être de l'apôtre, mais d'un autre Saint Matthias, évêque de Jérusalem vers l'an 120. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Matthias, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction des dieux descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint du jour.